plus je vieillis, plus je me rends compte que les rapports que j'ai avec mes parents sont en train de s'inverser. Ce week-end, j'ai emmené ma mère au cinéma. Je suis pas allée au cinéma avec elle, non, je l'ai emmenée au cinéma. Pour lui faire plaisir, pour la divertir. Parce qu'elle avait été sage cette semaine. Et on est d'ailleurs allé voir un film adapté à son âge. Downtown Abbey, la salle était remplie de petits camarades seniors. C'était trop marrant de voir tous ces petits retraités là, excités comme des puces avec leur bucket de pop-corn, au mépris total de ce que ça pourrait causer à leur dentier. Eh ben oui, maman, t'as abîmé ta couronne. Je t'avais prévenu de pas prendre de pop-corn. Tu ne m'écoutes pas, forcément. Allez, je vais t'aider. Ouvrant la bouche, fais voir. Comment ça, on dirait papa? Maman! Oui, je sais. Je n'ai aucune limite. Et faut savoir que ma mère, c'est une fan absolue de la série Downton Abbey. Elle était trop contente d'aller voir le film. Elle adore! Je pense que c'est parce que c'est l'une des rares fictions d'époque qui met en avant les rapports de force entre maître et valet sans qu'à aucun moment ne soit impliqué un champ de coton. Et du coup, c'était trop beau de la voir comme ça, comme une folle. Regarde, oh regarde, la grand-mère, elle est là. Oh regarde, Marie aussi, elle est là. Mais la réaction la plus marquante de ma mère, ça reste cette scène où à un moment, on voit deux hommes en train de s'embrasser. Oui, hein, j'ai pas précisé, mais à la base, Downton Abbey, c'est comme une série qui passe sur Chérie 25. Je crois clairement que ma mère n'est pas encore prête à ce que je lui passe mes codes Netflix.